Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo organisation, rangement et gros nettoyage de la maison. Aujourd'hui, je m'attaque à l'armoire du hall d'entrée car c'était le bazar. Mais je vais aussi m'occuper de toutes les armoires de la cuisine et du salon et aussi du coffre de canapé. Je vais commencer déjà par les armoires à tiroirs qui viennent de chez Action qui sont dans mon hall d'entrée. Je vais tout vider, aspirer et nettoyer chaque tiroir. Et ensuite, je vais mieux tout ranger. Ça fait un très long moment que je ne l'ai pas fait. Et là, je peux vous dire que ça se voit car la poussière s'est beaucoup accumulée à l'intérieur. Dans le tiroir à shadow, il y a plein de croquettes et de friandises qui sont tombées. Du coup, c'était vraiment nécessaire de le faire. Je vais également nettoyer au produit, toujours avec ma microfibre bleue pour le hall d'entrée. Je vais nettoyer l'extérieur du rangement à tiroir, c'est important pour bien tout nettoyer et désinfecter. Je passe ensuite à la deuxième armoire. Là aussi, je vais tout vider, aspirer et nettoyer. Je vais faire la même chose que la première armoire. Dans le deuxième rangement, il n'y a pas beaucoup de choses parce que là, je mets juste le sopalin et le papier toilette. Les rangements viennent de chez Action, bien évidemment. Ils sont au prix de 13,99€. Moi, je les ai eus pour 12,99€ et j'ai vu qu'ils ont augmenté d'1€. Mais ça reste quand même très accessible. J'ai vu qu'en grande surface, Carrefour, Leclerc, Auchan, les rangements à tiroirs sont super chers. J'ai même vu à Jiffy pour à peine 3 tiroirs. C'est limite 25-30€. Je trouve ça quand même aberrant niveau prix. Surtout que là, chez Action, c'est vraiment top de la qualité. Je vous les recommande vraiment. Ça va faire quasi 6 mois que je les ai et ils n'ont pas bougé d'un poil. Je
Je passe ensuite au rangement à tiroir. Donc là, j'en ai 4. Dedans, je mets tout ce qui est microfibre, éponge, les microfibres pour mes balais vapeur, pour mes aspirateurs. Je mets vraiment tout dedans par catégorie. Je vais nettoyer l'intérieur mais aussi l'extérieur de tous les rangements à tiroirs, comme ça c'est bien propre. Et ensuite je viens bien tout ranger les microfibres et les replier et mieux organiser tout ça. Je nettoie ça environ une fois par mois, mais là je peux vous dire que j'ai eu un laisser-aller, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait. Du coup je me suis motivée, je me suis dit allez OC, il faut y aller, il faut le faire, parce que j'ai eu quand même une petite baisse de motivation ces temps-ci avec le mauvais temps et tout. Enfin voilà, ça arrive vraiment à tout le monde. Du coup, j'avais pas spécialement envie de tout enlever, tout nettoyer. Du coup, j'ai laissé un peu cumuler. Et après, bah voilà, quand on cumule, on rattrape tout. C'est vraiment pas évident. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien faire les choses au fur et à mesure. Mais comme je vous ai dit, ça arrive à tout le monde d'avoir une perte de motivation. Je vais également nettoyer mes bacs où il y a les produits d'entretien. C'est vrai qu'on a pas mal de choses en double. J'aime bien prendre des choses en double en magasin parce que je me dis toujours que si je suis à court d'un produit, ça va m'énerver d'aller en rechercher en catastrophe ou d'être sans. On a eu le coup, période des fêtes, on s'est retrouvé sans produit vaisselle. Alors on était beau quand c'était férié. Je pense que c'était le 1er janvier. On s'est retrouvé sans produit vaisselle. Franchement, j'étais trop énervée parce que j'en avais plus du tout. Alors que d'habitude j'en ai 5-6 et là j'en avais pas du tout, c'était vraiment embêtant. Mais bon voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir beaucoup de rab en produits d'entretien. Après avoir fini tout ça, je passe dans le hall d'entrée, je vais donner un bon coup d'aspirateur sur le sol et nettoyer. Je tiens à préciser que j'utilise énormément de microfibres, j'en utilise pas qu'une seule. Donc là j'en ai pris une spécialement pour le sol, pour le hall d'entrée parce que j'avais pas de serpillière. Je les garde juste pour Shadow quand il rentre de promenade qu'il pleut pour le frotter. Mais je n'utilise pas ça pour nettoyer le sol. Pour vous dire, ça fait un bon moment que je n'ai pas passé la raclette. J'utilise vraiment les balais à vapeur, les balais aspirateurs. Ça fait un très long moment que je n'ai pas sorti un seau et une raclette. Du coup, voilà, les cercles, je les utilise pas. Donc là, j'ai pris une microfibre bleue. Et comme je vous ai dit, j'en ai vraiment beaucoup. Je vais ensuite ranger chaque rangement pour que ça soit bien clean, bien propre et bien ordonné.
Et je peux vous dire que dans mon entourage, depuis des années, on m'appelle Monk. Comme Monsieur Monk, la série, parce que j'adore que tout soit bien carré. C'est vrai que parfois, c'est un peu dans l'excès. Mais en fait, pour mon moral, j'aime bien que tout soit clean, tout soit bien propre et organisé. Parce que je sais pas vous, mais moi, en fait, quand c'est pas rangé, quand c'est un peu sale ou désordonné, je me sens oppressée, je me sens vraiment pas bien dans mon environnement. Du coup, j'aime bien que ça soit bien propre. Mais bon, à force de vous le dire, je pense que vous êtes habitués, vous le savez. Je vais passer ensuite au côté du salon. Pour commencer, je vais enlever mon tapis. C'est bon, j'ai pu remettre enfin mon tapis. Shadow ne dit plus rien. J'ai déjà dit au début, quand on a eu Shadow, on a dû enlever le tapis parce qu'il ne supportait pas. Il grattait tout le temps, j'avais peur qu'il abîme le canapé. Il déteste les tapis, que ce soit les tapis d'entrée. Franchement, il déteste tous les tapis. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais retenter de remettre un tapis. Et il n'a rien dit, donc j'étais quand même assez contente. Donc là, voilà, maintenant, je le laisse. Je passe ensuite aux armoires du meuble télé. Je vais enlever tous les jeux d'Anthony et je vais aspirer, nettoyer au produit avec ma microfibre rose pour le salon. Je vais bien tout ranger correctement, je vais bien mettre aussi les câbles correctement, comme ça c'est bien à sa place. Je vais faire la même chose avec la deuxième armoire où il y a tous les papiers, mais aussi les huiles essentielles et la petite boîte où il y a les allumettes, les briquets pour les bougies. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can't take another night with you on like this. So let's go, I'm sure you can take it. You've been crying over him for a lifetime. Je vais ensuite faire le coffre du canapé parce que là c'était le bazar total. J'ai enlevé les coussins de la chambre, du coup j'ai tout mis comme ça. C'était le bazar, franchement. Je sais pas ce que j'ai pas fait attention. Franchement, là, j'ai eu un laisser-aller, je vous cache pas. Du coup, je me remets bien en ordre pour que ça soit bien clean. Le coffre du canapé, j'essaie vraiment de le faire une fois par mois parce qu'il y a énormément de poussière qui se niche dedans. C'est vraiment pas possible. Franchement, quand j'enlève tout, je me dis, oulala, il y a énormément de poussière, on s'en rend pas compte. Mais en fait, la poussière rentre facilement. Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you care for me. You're such a bright star in the dark space. Je vais également nettoyer toutes les boîtes, les désinfecter, parce que ça, on y touche chaque semaine quand on change les draps. Après avoir fini tout ça, je range correctement les boîtes et je ferme le coffre du canapé. Je passe maintenant au côté de la cuisine. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait les armoires. Il y avait plein de saleté, plein de miettes, de pain, enfin des miettes de plein de choses. Et c'est important que la cuisine soit bien propre. Donc je vais aspirer et nettoyer au produit. Je n'oublie pas non plus de nettoyer mes petits tapis antidérapants qui viennent également de chez Action, comme ça c'est nickel.
Je vais faire de même avec tous les tiroirs, le tiroir à couvert où il y a les petites babioles, un autre où il y a les essuie-à-vaisselle et un autre où je mets tout ce qui est papier cuisson, papier film, papier aluminium, les maniques et les deux souples. So fly, you got me like every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like je vais également nettoyer tous mes rangements qui sont au-dessus de la hotte, dans l'armoire. Je vais nettoyer également l'armoire, mais aussi l'intérieur des boîtes et mieux organiser tout ça. Si vous n'avez pas vu ma vidéo organisation cuisine, je vous le mets dans le petit i. N'hésitez pas à checker tout ça. J'ai vraiment changé toute l'organisation de la cuisine. C'est vraiment plus fonctionnel, mieux qu'avant. Comme je vous ai dit, on essaie de faire nos biscuits nous-mêmes. C'est vrai que c'est pas évident, on n'a pas tous le temps. On n'a pas tous l'envie de faire des biscuits, je ne sais pas le faire. Moi, je peux vous dire que j'ai acheté un robot à 50€ chez Electrodépôt et un livre à la Fnac à 15€ pour apprendre à faire des petits biscuits. C'est vrai que je n'ai pas spécialement toujours le temps, ce n'est pas accessible à tout le monde de faire les biscuits soi-même. Mais moi, j'ai décidé de le faire parce qu'en fait, les biscuits, on en achetait tellement qu'en fait, on se ruait dessus et on mangeait que ça. Franchement, c'était horrible. Et je me suis dit, niveau calories et tout, franchement, c'est pas possible. Moi qui peux pas manger sucré et je dois manger sans gluten, bah en fait je mangeais des biscuits n'importe comment, des biscuits de grande surface. Et en fait après je souffrais de douleur, du coup je me suis dit stop, on arrête d'en acheter, on va les faire nous-mêmes. C'est vrai que parfois on n'a pas envie de les faire, du coup on mange pas spécialement de biscuits. Mais c'est vrai que parfois le week-end on se fait des petites activités pâtisserie avec Anthony, ça nous plaît vraiment, ça nous fait vraiment passer le temps. En plus chez nous il fait pas beau, du coup bah ça nous occupe. Franchement on va pas se le cacher, c'est meilleur. Mais franchement il faut pas culpabiliser si vous le faites pas. Franchement, c'est pas une obligation pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas se permettre de le faire quand les personnes y travaillent, qu'ils ont des enfants. Voilà, c'est pas évident. Après, moi, peut-être, si j'ai des enfants, peut-être je ne ferai pas. Enfin, voilà, je ne sais pas. Mais il faut surtout pas culpabiliser. Je passe maintenant au nettoyage. Je vais nettoyer toujours de haut en bas. Je vais commencer par le salon. Je vais faire les étagères en hauteur, mais je vais faire aussi le canapé à l'aspirateur car il y a pas mal de poils à shadow qui volent. Du coup, ça se met sur le canapé et je ne supporte pas ça. Franchement, ça me dégoûte.
Du coup, voilà, je passe l'aspirateur. Je voulais également vous remercier, nous sommes maintenant plus de 7000 sur la chaîne. C'est juste énorme. Merci beaucoup de votre soutien. Si la vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait très plaisir. Et je réponds vraiment à tous les commentaires sans exception. Donc n'hésitez surtout pas, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas non plus d'activer la petite cloche. Maintenant, je sors une vidéo le mercredi, une semaine sur deux. C'est vraiment un pur plaisir de filmer, de faire tout ça. Franchement, ça m'a complètement changé la vie, clairement. Ça m'occupe, ça m'aide à penser à autre chose qu'une maladie, franchement. Du coup, moi, je voulais vous remercier parce que tout votre soutien, vos commentaires bienveillants, vos conseils constructifs, franchement, c'est juste incroyable. Je pensais pas du tout en arriver jusque-là. J'espère que c'est juste le début et que ça va continuer encore et encore. Du coup, je voulais absolument vous remercier, vraiment du fond du cœur. Je m'occupe maintenant au nettoyage de la télé. Je vais dépoussiérer la télé, mais aussi le meuble. Et ensuite, je vais faire au produit. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. Je voulais également vous montrer l'autre côté. Ce n'est jamais parfait chez tout le monde, je le dis à chaque fois. Vous pouvez voir que c'est le bazar d'un côté et d'un autre côté que c'est tout clean. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, parfois, les gens ont pour but de montrer que les choses parfaites. Mais moi non, je ne suis pas comme ça. Moi, je tenais vraiment à vous montrer que ce n'est pas parfait chez tout le monde et encore moins chez moi. Comme vous pouvez voir, bah, il y a du bazar, je vais le ranger. Mais voilà, c'est pas parfait. Je passe ensuite au côté de la cuisine, je vais dépoussiérer et nettoyer ma table et ensuite je vais faire les chaises et les mettre en hauteur pour faciliter le passage de l'aspirateur. Je vais également débarrasser la cuisine, donner un petit coup sur le cookéo. Et ensuite, je vais faire les plans de travail. Je vais enlever tout ce qui traîne et nettoyer ce qu'il y avait dessus. Franchement, il y avait plein de petites taches de café séchées. Du coup, c'était vraiment nécessaire de le faire. Je vais faire ensuite mon évier. D'habitude, je le fais au vinaigre, mais quand c'est en profondeur, je le fais avec du produit à vaisselle. J'en mets partout et je viens savonner tout ça avec mon éponge Scrub Daddy. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Après avoir fini toute la cuisine, je n'oublie pas de nettoyer les surfaces extérieures des meubles. C'est important pour que ça soit bien propre parce qu'il y a toujours des petites traces, des gouttes d'eau, mais aussi des taches de café qui coulent. Donc ça, n'oubliez pas de le faire à chaque fois, c'est important. N'oubliez pas non plus de désinfecter toutes les poignées de porte parce qu'on y touche vraiment tous les jours. Pour finir mon nettoyage, je vais lancer mon robot. Celui-ci, c'est le Yeti Mop Station. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il a comme fonction principale de laver en profondeur le sol avec ses deux petites mops. Je vous en ai déjà parlé.
Il fait très bien son boulot, j'en suis très contente et ça me fait gagner énormément de temps, surtout après un gros ménage. Lorsque je suis fatiguée, j'ai juste à le lancer et je suis tranquille. Voilà, ma vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça vous a motivé, mais aussi inspiré. N'hésitez pas à liker, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt sur ma chaîne.